Bonjour à tous, petite vidéo pour le problème numéro 2. Alors on va continuer avec nos gros moyens techniques et nos problèmes du bus, avec bien sûr des montées et des descentes différentes du problème numéro 1. Alors, je vous montre notre situation de départ. Vous avez, comme d'habitude, notre bus, hop, qui arrive. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc, il arrive et au premier arrêt, vous voyez qu'il y a cette fois-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnages qui montent dans le bus. D'accord? Ils sont 10. Je vous laisse bien voir. Vous voyez le bus, vous voyez 10 personnages. Ensuite, et je vous enlève l'image des personnages, puisque ça va être à vous maintenant de trouver. Les 10 sont dans le bus roule. Et le bus s'arrête. D'accord. À cet arrêt, on a 5 personnages qui décident de descendre. On va dire que tiens, ils vont à la piscine. Les 5 premiers descendent et vont à la piscine. Le bus ferme ses portes et redémarre. Il roule à nouveau, et bah, comme habituellement pour les bus, arrive à un nouvel arrêt. Et cette fois-ci, personne ne descend. Par contre, on a 9 personnages qui remontent dans le bus. 9. Et le bus repart. Et la question est, comme d'habitude, maintenant, combien y a-t-il de personnages dans notre bus? Je répète, au début, il y en a 10 qui montent. Premier arrêt, 5 personnages descendent. Deuxième arrêt, 9 personnages qui montent. Comme d'habitude, vous cherchez le meilleur dessin, le schéma qui va vous aider. Si vous voyez que votre schéma ne vous aide pas, c'est que vous n'avez pas réussi. Parce qu'à la fin, le schéma doit vous montrer la réponse. Et on se retrouve pour la correction, mais j'attends les photographies de vos schémas qui montrent la réponse. À très vite.